Yappé Jean Severxios, alors j'en sors pour une toute nouvelle vidéo, donc excusez-moi, hein, ça fait 9 jours que j'ai pas sorti de vidéo. Franchement, je peux vous avouer, j'avais totalement la flemme. Hein. Du coup, cette vidéo, je pense qu'elle va vraiment vous plaire. Pendant une demi-heure, on va faire des offres en or, sauf si on va arriver à plus de Kama. Et on va un peu regarder tout. Donc là, vous voyez directement une cape de Sylarque pour un M6. Donc on va regarder les prix. Donc j'espère vraiment que vous allez bien, que cette vidéo vous plaira. Je crois qu'il se fout de moi en fait. Donc je vais lui prendre pour 800 000 Kama. Donc franchement, si vous êtes un abonné et que je vous fais une offre comme ça, ragez pas. Hein. Franchement, s'il vous plaît, c'est les offres en or. Hein, Donc franchement, les gens, surtout ne vous laissez pas faire. Pourquoi pas? Franchement, ne vous laissez pas faire. Ne vendez surtout pas vos items en offre en or. Parce que réfléchissez, si quelqu'un le vend en offre en or, c'est que bien sûr, il pourra le revendre bien plus cher. Donc faites attention à ça. Donc déjà, j'aimerais, comme vous voyez dans le titre, c'est sûrement pour moi, je pense, la meilleure astuce Kama de Dofus. Après, je pense qu'il y a sûrement d'autres astuces très très bonnes. Après, faut voir parce que les offres, les exo-PA sont très utiles, mais maintenant les runes Gap-PA ont vraiment augmenté. Donc là, je pourrais être facilement à 20 millions de Kama, mais vu que j'essaye constamment de vous mettre des vidéos. De vous trouver d'autres astuces Kama, donc je dépense un peu des Kama des fois inutilement en essayant de craft des choses, etc. qui ne marchent pas. J'essaie de vous trouver des choses. Aussi, l'alliance Glourson m'a coûté pas mal. J'ai acheté 10 runes Gap-PA récemment. Parce que j'essaie d'exo-PA. Donc là, pour l'instant, personne m'envoie de message pour me dire qu'il y a d'offres en or. Donc l'alliance Glourson, j'essaie de l'exo-PA, mais comme vous voyez, c'est 23 millions les 100. Donc j'essaie de me faire des Kama, d'acheter 10 runes et de retenter l'exo. Donc surtout. C'est les runes paires qui coûtent cher. Repair feu. Oh, les prix ont baissé. Elle a coûté 1,5 million il y a pas longtemps. Ah non, c'était la repair neutre. Et la repair terre. Donc vous voyez, ça coûte légèrement cher. Donc je pense que je vous continuerai la vidéo sur l'alliance Glourson Exopea. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez me faire des dons de Kama. Surtout des dons de runes. Pour l'instant, c'est que ce qui m'importe pour vous faire d'autres vidéos. Ces trois-là. Parce que ça fait quand même cher. Hein, si vous en avez en masse, que vous n'avez vraiment pas besoin. Donc pour l'instant personne propose d'offre en or, donc je sais pas, je vais mettre en pause la vidéo et dès que quelqu'un me reposera une offre en or, je remettrai. Donc allez à toutes les gens et on va faire environ une demi-heure de d'offre en or. Oui non, excusez-moi, je vais pas mettre sur pause parce que justement le but est de mettre pendant une demi-heure des offres en or et d'essayer de se faire le plus de Kama possible. Donc je ne vais pas mettre en pause. Donc merci quand même. Je vais pas quand même. Je vais quand même. Attends, je vais l'inviter en groupe. Donc une Carnac. Donc attendez. Ouais, donc vous voyez. Franchement, je n'ai pas. Hein, Là, je viens de remettre directement la vidéo. J'ai laissé même pas une minute. Donc attendez. Donc une épée caddie. Donc depuis qu'il y a les nouveaux. Donc il m'a proposé un M 800 000 Kama. Je suis à 800 000 Kama. Cash, ok. Si quête, je le réimpérerai, mais j'essaierai de négocier le plus possible. Donc là, bon, je sais, ça va être un peu lâche que je... Attends. Oui, il faut être malin, hein. Il faut être malin, les gens. Donc, surtout quand vous voyez qu'il hésite comme ça, n'hésitez pas à dire, trouver une excuse. Donc, une petite Carnac, 1,6 million. Attendez. Ouais, le pauvre. Donc, vous voyez, donc déjà là, on va faire du bénéf. Offre en or, j'ai dit 900 000, pas moins. Ouais, donc essayez vraiment de faire. Faut vraiment, ça joue tout dans le mental là. Hein, franchement, ne vous laissez pas faire parce que aussi,
Des fois, vous pouvez vraiment vous faire arnaquer par ces offres en or, puisque tout simplement... Donc attendez, je regarde bien si le jet n'est pas totalement pété. Ouais, ça gère, ça gère. Set de soins. Ouais, jet de craft, hein, quoi. Donc les 800 000 kamas, promis. Une petite dédicace à lui. Donc voilà. Donc une petite TPKD. Donc on va la vendre, franchement, hein, ça nous fait des kamas. Donc on va la mettre 1 million, 1, 2, 3. Donc 950 000. On coupe la poire en deux. Ouais, faut vraiment négocier, les gens. Négocier, négocier. Négocier le plus possible. Donc là, on a déjà bénéf. Donc 800 000, on a déjà bénéf. 650 000. 1, 2, 3. Plus. Donc RDVHD forgeron. Attendez. HDV forgeron. Donc aussi n'hésitez surtout pas à chercher des items comme ça. Les items dagues, etc. ne sont vraiment pas beaucoup craft. Du coup le craft coûte beaucoup plus cher que... Non, l'item coûte plus cher que le craft. Donc si vous pouvez trouver des petits items comme ça, craft sympa, qui vous coûtent pas cher, franchement faites-le. Bon, je vais lui prendre un M. Ouais, je vais lui prendre un M parce que ça me fait quand même 500 000 de bénéf. Franchement, ça vaut le coup. Là, il veut complètement plus me contacter. Bon, ça joue le mental, je pense peut-être que d'une partie, lui aussi, il l'a compris. Et il fait exprès. Ah, mais il est là depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, attendez, je vais lui mettre 950 000 km parce que je croyais qu'il m'avait ignoré en fait, mais non. Donc, il est là. Donc attendez, on regarde. On regarde qu'il manque pas trop de choses. Donc la Vita, la J, la Sasa, les dommages, les restes. Donc voilà, donc merci. Tu passes sur YouTube. Donc dédicace à Lil Killer. Donc merci à toi. Donc voilà, donc là, on a encore fait vraiment du bénéf, les gens, vous voyez, en... Bah combien de vidéos? 7 minutes 50 déjà. Ouh, ça commence à aller vite. Vive les Russes. Ok, donc 1 million. Ah, mais vive les Russes parce que c'est la guilde. Soit c'est parce que c'est la guilde, soit c'est parce qu'il est russe. Donc là, on vient encore de bénéf. Donc 950 000 kamas. Donc 150 000 de moins. Donc plus 500 000 kamas, les gens. Donc vous voyez, on vient déjà de ce bénéf 1 115 000 en très peu de temps. Donc c'est toujours bon. Donc n'hésitez pas, franchement, là j'y ai pas pensé. Donc vous voyez, ce message est très bien. Je vous conseille de faire pareil. Salut, j'ai toutes vos offres en or. Sauf ressources, UM7 dispo, MMP. Donc surtout, ne soyez pas agressif avec les gens. Faut surtout pas être comme ça quand vous faites votre offre en or. Essayez d'être le plus correct possible. Un peu de jouer sur leur mental. Et franchement, vous pourrez faire de très belles offres. Et très très rapidement, sans vraiment rien dépenser. N'achetez pas bien sûr des items, même si un item vaut 50 MHDV, mais qu'il n'est jamais acheté, surtout ne le prenez pas, c'est totalement inutile. Donc j'espère vraiment que là, il y a du monde qui va me contacter pour les offres en or. Donc attendez. Attendez, qu'est-ce qu'il vend lui? Noyau de Frozen x6, ça vend un M5U. Donc là, on va aller à Strub. Il y a souvent des bas level hack ou quoi qui vendent toutes leurs panneaux, ou justement des hackers. Bon, je sais, c'est assez dégoûtant, mais il y a des hackers qui vendent ici. Et bon, après, de toute manière, il revendra son objet, hein. Donc voilà, allez, c'est parti. Le seul problème d'Astrub, c'est faites attention parce que quand vous êtes en échange. Pourquoi il veut que je monte ses camas? Noob. Alors.
De quoi, attendez. Je vais changer. Ouais, donc je vais mettre cet thème. Ah mince, excusez-moi. Donc, non, pas 70e. Là, si c'est 70e, je me restufferai. Oui, parce que j'ai l'intention. Là, je vais essayer d'arrêter de vous faire des. Je vais vous toujours faire des astuces quand même, mais sûr. Je vais essayer de pas trop tout vous dévoiler sur toutes mes astuces que je puisse encore me faire des kamas. Et il faut que j'arrive au 40e, 70e même. Ça, largement, je peux y arriver très facilement si je me mets à fond. Bref, en ce moment, je suis vraiment à fond par contre sur Call of Duty Black Ops 2. Donc, je pense que tout le monde connaît Call of Duty. Et franchement, c'est vraiment un énorme jeu. Donc, j'ai hâte que Black Ops 3 sorte. Je fais de la ligue en ce moment sur Black Ops 2. Donc, faut que je précommande le câble pour mon HDPVR. Donc, franchement, excusez-moi. Je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Mais j'ai mon HDPVR. Mais ils n'ont pas envoyé ce putain de câble avec. Donc, ça me dégoûte un peu. Du coup, j'ai dû attendre. Mais à chaque fois, j'ai la flemme de devoir commander. Faut que je demande à mes parents leur carte bleue. Vous inquiétez pas. Je vais pas leur vider leur compte. C'est juste pour acheter un petit câble. Donc là aussi en vente mon Dragoof qui ne s'est toujours pas vendu. Ouais, en fait je me suis bien fait ouais, donc vous voyez, en fait j'avais acheté un gars et ça ne se vend vraiment pas. Bon, c'est pas grave, ça se vendra quand il y aura Vulcania, et je pense en un mois ça se vendra largement. Donc aussi, donc une petite astuce en passant, 24M normalement ça coûte 15. Je sais pas où il a cherché son délire lui. Donc cherchez hein, s'il y a des offres, s'il y a des bonnes offres, je vous conseille. Donc vous allez, donc vous voyez à peu près tout le. Il n'y a pas de fantôme, ok. Dommage. Donc là voilà une autre technique. Vous regardez les familiers et vous regardez leur puissance, leur jet. Et souvent des fois des gens mettent des super jets qui sont en fantôme parce qu'ils croient que le fantôme est mort absolument. Et ils mettent des super jets à. Bah, très peu de kamas, et vous pour 60 000 kamas, vous pouvez les ressusciter et les retransformer et les revendre directement. Donc là, je sais pas si c'est full, je sais pas, je crois que c'est 40, mais je suis pas sûr, donc je vais voir à peu près le prix. Donc un Peki Peki 2 millions 192 de Vita, je ne l'achèterai pas puisqu'il ne se revendra jamais. Du coup, on va aller voir le Phoenix. Donc attendez, ok, Nyx, Phoenix. Donc pouvoir boost à fond. Ouais, ça coûte 700 000 kamas. Donc vous voyez là aussi c'est une petite offre. Donc vous voyez, je vous conseille pas de le faire hein, pour ça. Je ne sais vraiment pas en plus si ça se vend. Mais vous voyez, fantôme de Phoenix, 500 000 kamas, Jetmax. Vous prenez une popo, une poudre de résurrection. Vous le faites résu. Et vous le revendez 700 000 kamas. Ça vous fait quand même 150 000 de bénéf. Ça fait partie de Dofus. Donc là, on a vraiment pas de chance. Donc franchement, excusez-moi, vous devez peut-être vous ennuyer un peu. Donc lui, en offrant or, si je prends le tout. Donc je vais essayer par contre lui de lui négo son anneau Alistair Exo-PO. Ouais, en plus un bon jet. Non. Ah, enfin. Donc excusez-moi toi. Bande oculaire, caparition. Donc j'espère vraiment que c'est pas des caps de noob. Donc enfin, donc au bout de 10 minutes, même 15 je crois maintenant, ouais 13. On commence à réavoir, donc j'espère franchement qu'au bout de 9 jours, hein, ma nouvelle vidéo vous plaira. Donc bonjour. Donc bande oculaire. Ah non, oui, non, maintenant ça me parle. Paris 2M2 bande oculaire. Ok, donc là il y en a pour 4M. Oui, et toi? Le tout pour 2M2. Donc là, vous voyez, là c'est vraiment là que tout va se jouer. Il va me répondre. Donc à son level qu'il est ça, donc je pense qu'il a une team ou des persos plus haut level. Ou alors c'est un hacker. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de gens comme ça qui sont 2M8. Ça ne rentre pas dans mes frais. Dans mes frais.
ne peut pas. T'es à plus de 2 M5. Et le tour est joué, donc je pense que là c'est bon, je l'ai convaincu. Voilà, donc je pense que là c'est fini. Donc là vous rajoutez RDV, HDV, tailleur. Et voilà, donc là il va croire que je vais mettre 2 M6 je pense, mais je vais mettre 2 M5 bien sûr. Donc attendez, 2 M2, 2 M8, il y a 6. Ouais c'est 2 M5 là pour en 2, c'est bien ce que je pensais. Donc là on va bénéf environ 2 M les gens, donc vous voyez 15 minutes de vidéo, donc ça va, c'est sympa, c'est facile. Et en très peu de temps, 2M5. Donc attendez, je regarde bien les jets par contre. Donc 2M6. Attendez. Donc les jets a l'air vraiment correct. Je lui mets 2M6 si les jets sont vraiment bons. Pitié qu'il y ait 9-8. Ah, 18, moins 5. Bon, les 25-25, ça serait pas mal. 25-19. Ouais, je crois qu'il y a un jet de craft. Je ne suis pas sûr. Donc, ouais, c'est un jet de craft. Attendez, peut-être pas. Si. Donc on va mettre 2M55. Et voilà. Donc c'est fait les gens. Donc voilà. Donc là encore du bénéf. C'est pas mal. C'est fait. Donc voilà. Donc merci à toi. Si tu vois cette vidéo. Aucun exemplaire. Elle y était il y a 2 minutes. Ah oui, donc vous voyez bien, regardez bien la vidéo, ça a été il y a 2 minutes, hein, les gens. C'est impressionnant. Donc 3M5 on va mettre. Franchement, ça m'impressionne que en si peu de temps, il y en ait 2 qui soient vendus. Attendez, on va changer le prix de ça. Ça m'impressionne vraiment. Donc 3M5. Ça, on va mettre à 2M5. Essayez de baisser le prix le moins en HDV, puisque plus vous baissez, plus... Plus il y aura du monde qui baissera les prix. Donc là ça fait 5e 650 000. Moins donc j'ai dépensé combien? J'ai dépensé 2M500. Attendez, on va avoir une deuxième calculatrice, parce que là je suis en train de m'embrouiller. Donc attendez, je l'invite. Donc attendez 2 secondes. Donc 5 650, 1 2 3, moins 2 1 2 3, 3 M100, donc plus voilà, donc déjà on est à 4 M de bénéf. Salut. Alors amulette de Nevark, donc ça 80 d'agi, je crois vraiment, je crois que c'est le jet normal, il a mis au petit agi. Donc après je vais devoir passer à table, donc j'espère franchement qu'il n'y a pas mon père ou quoi qui va venir gueuler dans le micro. Donc franchement excusez-moi s'il y a quelqu'un qui fait ça. Oui, très bon jet. Il n'y a pas de R. Ouais non, je vais pas. Il est pas du tout bon le jet. Il est bon que pour optique R, donc je vais pas lui prendre. Je vais lui prendre. Je vais essayer de négocier le maximum de lui. De le faire convaincre, etc. Bon par contre ça sera très pris pour les balvettes. 3M. Donc on va prendre à M6. Donc voilà. Donc attendez, ouais, ça se revend, ouais, c'est sûr et certain, vu les nouveaux trophées. Il faut de la différence, puisque je vous rappelle, avec les nouveaux trophées, vous ne pouvez pas avoir deux panoplies de... Enfin, vous ne pouvez pas avoir une panoplie avec 3 équipements. Vous pouvez avoir maximum des équipements de la même panoplie de 2 équipements. Donc c'est vraiment pas mal. Il se fait que 2 comptes, le pauvre. Donc on va continuer à mettre des messages.
Donc il reste 4M3. Non mince, du coup je vais mettre 4M3. 4M3. Yes, yes, les gens. Il le prend pour un M6. Ah, il y a vraiment des gens fous quand même, je trouve. Hein, attendez, lui on va inviter groupe. Non, attendez. Invité groupe. Donc j'espère bien que c'est la bonne. Nickel. Donc un M6. 1, 2, 3. On va la revendre vraiment pas cher, hein, parce que... Ah oui, je veux les items brousse. Donc oui, je les veux, je les veux, je les veux. Donc faut qu'on rafle tout les gens, faut qu'on rafle tout. Donc là, on va mettre à 2M85. 1, 2, 3. Hop, hop, c'est fait. Donc là, on l'a acheté un M6, ça fait AM200. 1, 2, 3, plus. Donc 5M5 de bénéf déjà, les gens. Bracelet MIG. Madrista. Donc toi, attends, désolé, je te vire. Attends, hop. Attendez 2 secondes. Je crois que lui, il essaye de me revendre. Eh ouais, mais... Mais je crois pas que ça se vend, Ming. Bracelet Ming. Ok. Donc je pense que je vais finir avec toute sa panneau brousse. Ouais, non, quoique, il me reste pas mal de Kama. Donc on va enlever commerce, recrutement. Donc là, je pense que là on va bénéf. Donc brousse. Donc ça c'est vraiment une des meilleures astuces. Vous voyez, en 22 minutes on s'est déjà fait 5 millions de 5. Là on va arriver au bout de la vidéo. Donc le brousse. Ok, donc ça fait 1M7. Attends, on va prendre une calculatrice. Hop. Donc franchement, si vous voulez des améliorations sur ma chaîne, dites-le moi. Dites-le moi. Donc là, 1M7. Donc maintenant, il me faut Oshimo. 1M7, Oshimo. 1M7 aussi. Ça monte à 4M quand même. Je comprends pas pourquoi il y en a à 2M seulement. Donc bon, 2M, on va dire. Donc ça fait 3M7. Les bottes de brousse. La ceinture de brousse. Donc j'espère vraiment bénef là. Hein. Donc vendre. Non, en mode achat. Brousse. Donc là on est à 3M6. Hein. Plus 800 000. 4M4. 5M4. Donc je vais lui proposer 2M. Oui, ça fait mal, mais je pense lui. Je pense il doit pas avoir besoin de Kama. Hein. Ah, quoique. Ah non, si, il est mobioté. Ah, lui, je lui en propose un son. Non, non. Non, même pas en fait, ça se vend pas. Non. Je vais rien lui prendre. 2M2 et je te rajoute 1 équipement. Attendez, je galère un peu là parce que je suis concentré à plusieurs choses en même temps. À 300 000 K. Désolé. Et oui, et aussi pourquoi... l'alliance Glourson, j'hésite à la... Je pourrais lui échanger en rajoutant un M. Mais je ne sais pas... Ouais, non. Donc attendez, on va arriver bientôt à la fin. Donc il faut que je me bouge un peu.
Donc on a que 5 M5 de bénéf pour l'instant. C'est pas énorme en une demi-heure. Enfin, après, ça va vraiment dépendre. Pour l'instant, ça va en fait. On a géré un peu. mille, pas plus. Ah, et soudement en plus, la noix de M5, c'est. Exopea, il vaut 2 M5. Encore une Cap-Parition? Eh ben, parfait! On va la prendre encore, hein? Ça fait toujours du bénéf, donc franchement, merci à toi. Merci à toi, Eva. Attends 2 secondes, donc toi. Alors, la Cap-Parition. Donc 3 M5, je l'ai mise, oui. Je t'en prends. Donc là, c'est du mental, hein, franchement. 1 M5. C'est là, je t'ai fait. Ah, 3 M5. 5 et la mienne. Mienne, je te reprends. Donc là, c'est du mental, hein. Elle vaut 2 M. Offre. RTV, HDV, tailleur. Donc je comprends vraiment pas pourquoi il y en avait deux et elles se sont vendues d'un coup. Donc je lui prends. 1 M5, je vais remettre la même à 3 M5. Donc ça fait encore plus 2 M de bénéf. Plus 2 M, plus. Donc là, on arrive à 7 M5, les gens. Il reste 3 minutes à la vidéo. Donc il y aura sûrement les 20 secondes en plus de mon intro. Donc ne tenez pas à ça. En plus, le jet est meilleur que l'autre. Ah, il y a un très bon jet. J'ai bien mis un M5, ouais. C'est nickel. Donc, dédicace à toi aussi. Donc dédicace à Marmana, donc aussi dédicace à Vava Destruction, qui lui aussi m'a fait une très très belle offre, qui m'a vraiment fait du bénéf. Donc elle, on va la mettre à 4M. Donc vous, franchement, ça se vend, hein, les gens, si je fais ça. Donc vous voyez là, on vient de se faire énormément de bénéf d'un coup. Donc là, mince. Excusez-moi. Donc là, il y a 7 M5 de bénéf, sachant qu'en vendant juste ces deux caps, on gagne 2 millions de kama, juste en vendant ces deux caps. Non, même pas, on gagne pas de kama, en fait, on arrive pile à la somme à 8 M7, ce qui est absolument parfait. Donc juste avec les deux caps, en les vendant, on revient à 8 M7, en sachant, je crois qu'on a pris environ 8 objets. Donc il reste encore un M2. Vite, en 1 minute, c'est possible, sûrement. Un M2 dispo, offre en or. Ah, le rat, il a mis un message juste après moi. Donc, surtout, faites attention hein, là, parce que là, je viens de perdre beaucoup de kama. Enfin, pas perdu, j'ai investi beaucoup de kama. Mais vous voyez, faut pas investir après sur n'importe quoi. Ceinture para, level 14, ça vaut même pas 10 000 kama. Non. Merci. Je me suis fait avoir. Je croyais que ça valait dans les centaines de milliers de kamas, vu qu'il faut s'abonner 1 mois pour l'avoir. Et ça se faut 2000 kamas HDV. Donc les gens payent 5 euros pour s'abonner 1 mois. Et gagnent un truc à 2000 kamas. Donc Dofus en kamas, on t'emmerde. Et moi je vends un dragon doré à 2M52 Sasa.
Donc toi, je te le dis. De sûr, ce sera pas de M. Donc, en plus, c'est un gars de ma guilde. Pas de pitié, on va dire. Ouais, joli dragon doré. Moi aussi, j'en avais une avec le pack. J'avais acheté un pack quand j'avais 8 ans environ. De M. Me reste un M. 2. Je te la prends pour un M avec une botte qui en vaut. Trois mille et 4 amus d'Olin. Alors par contre ça c'est pas du fake hein. Elle se vend très bien les amus d'Olin en HDV. Qui se vendent HDV. Oui c'est vraiment pas un fake hein. Les gens croyaient pas que je suis en train de l'arnaquer. Là je ne l'arnaque pas. Jamais par contre je mentirais à quelqu'un. Sauf si c'est vraiment un hacker qui est en face de moi. Mais jamais je ne mentirais pour me faire du kama sur les dos des gens. Qui se vendent HDV 350 000. Kama U. Excusez-moi pour ce gros bip. Donc franchement, hein, si tu vois la vidéo, Yop Walker, franchement, ce n'est vraiment pas. N'importe quoi, ses amis se vendent, donc vous voyez j'en ai HDV, donc quelqu'un les a mis un peu moins cher. Puisque tout simplement en fait comme il y a déjà beaucoup de vidéos qui disent oui les amulettes d'Olin rapportent des Gurungapea et tout, elles n'ont jamais rapporté pour se faire des kamas. Elles rapportent en ce moment avec le coefficient quand il réaugmente, mais comme du monde ont déjà fait des vidéos, plein de monde vont acheter HDV directement les runes, les concasses et se prennent perdre 345 000 kamas. Donc voilà, donc là on arrive à la fin de la vidéo, donc ça fait 32 minutes, donc 2 minutes de dépassé, et tout simplement 7 M5 de bénéf les gens. Donc franchement, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'oubliez pas, ça me ferait vraiment plaisir si vous pouvez me faire des petits dons, ça vous coûte pas grand chose. Par contre, bien sûr, si vous ne faites pas, si vous n'avez pas beaucoup de kama, que vous avez des problèmes de kama, etc., surtout me donnez rien, s'il vous plaît. Je ne veux pas non plus que vous endettiez. C'est franchement les gens qui ont des kamas ou qui ont des runes paires, franchement abandonnées dans leur banque. Je viens de leur rappeler que le prix était élevé. Franchement, si vous pouvez me les passer, ça serait vraiment sympa de votre part. Donc les gens, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like. Donc encore excusez-moi pour les 9 jours d'absence. Donc allez, ciao ciao les gens.